Il suffit parfois de franchir le seuil d'un lieu qu'on ne connaît pas, d'entrer dans cet espace inconnu, pour commencer à voir ce qui nous entoure, envisager ce qui nous accueille sous un angle différent, un changement radical de point de vue. La lumière nous envahit lentement de sa chaleur trouble. L'impression que rien n'a changé. Pourtant, rien n'est plus pareil. Nos perceptions trompées se perdent et se troublent. Les sons qu'on entend prennent un tour mystérieux. On avance au ralenti, dans l'incertitude. Des voix douces chuchotent leurs secrets au creux de notre oreille. Tout ce qui paraît familier nous devient étrangement insolite. D'entre les formes qui apparaissent, l'ombre d'une silhouette se dessine avec insistance, mais toujours sur le point de s'effacer au profit de ce qui peut encore et à chaque instant surgir de l'obscurité. L'image prend forme et plie l'espace, ploie les choses à sa force. C'est en prenant conscience de l'inépuisable variété de ce qui nous paraît opposé que l'on arrive à comprendre leur vraie nature, leurs liens. Les êtres, les lieux perdent leur exclusivité, sans perdre leur originalité. Comment transcrire les images précises que j'ai en tête sans les fabriquer de toutes pièces? Là où s'enlacent l'oubli et la mémoire.